sélection qui, on l'espère, le fera une nouvelle fois. Eh bien, bien le bonsoir Zinamer, bien le bonsoir à tous vos invités qui sont parmi vous ce soir sur le plateau de Canal Algérie, bien sûr pour cette rencontre capitale pour les Verts. Dans moins de 3 heures, vous l'avez dit tout à l'heure, le stade est archi-comble. Là, vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a plus aucune place, et ce, depuis midi ce matin. Pour vous dire que les gens se sont réveillés de bonne heure pour pouvoir assister à ce match. Ils sont venus nombreux. Là, pour l'instant, c'est les artistes qui sont en train de mettre de l'ambiance ici au stade Mustapha Tchaker, puisque on s'impatiente. Les deux formations ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore arrivés. On nous a dit qu'ils seraient là éventuellement à partir de 16h30. Afin qu'ils puissent bien préparer leur échauffement et bien sûr bien se préparer pour cette rencontre. Il y aura également la présence du Premier ministre, M. Sellel, qu'on attend incessamment sous peu, qui va venir bien sûr assister à cette rencontre en tant que représentant du président de la République pour ce match capital pour les Verts. Donc, vous êtes certainement tous en train d'attendre cette fameuse liste des joueurs que va aligner Vahid Halilhodžić tout à l'heure à partir de 19h15. Et bien, sachez qu'on a des bribes d'informations, mais pour l'instant, la liste officielle, on la connaîtra que pratiquement, allez, 1h30, 2h avant la rencontre, dès que les deux formations seront ici sur place, on aura officiellement la liste des 11 rentrants ainsi que des remplaçants qui seront sur le banc des Verts. Vous le voyez, il y a également bien sûr les mascottes qui sont là aujourd'hui, ils sont à côté de moi. Alors, la mascotte des Fenech, oui Zinamer. Ce que je voulais juste vous dire, est-ce que l'équipe nationale est arrivée du côté du stade Mustapha Tchaker ou pas? C'est ce qu'on se demande également, Hakim Kchelout. Non, non, pas encore, pas encore. Les deux formations ne sont pas encore là. Ni celle du Burkina Faso, ni celle de l'Algérie. On attend pratiquement avec impatience l'arrivée des deux formations ici au stade. Et vous le voyez, ce sont ces deux mascottes qui sont en train de faire l'épître et ils sont en train de mettre de l'ambiance ici au stade Mustapha Tchaker. Et donc la fête est complète avant ce match, vous le voyez, impossible. Voilà, il y a même des bisous. Elle vous le voyez, soin de vous. Tout le monde est content, tout le monde est optimiste. Bien sûr, tout le monde espère ce fameux but libérateur. Un seul but suffit à l'équipe nationale, tout le monde le sait, pour décrocher son billet pour la Coupe du Monde. En tous les cas, prennent bien soin de vous. Et moi, celle qui prend soin de moi sur ce plateau, c'est Dalia Hamouten, qui revient une nouvelle fois. Non, 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 j'étais là, j'étais cachée derrière tout simplement. Voilà, on ne vous a pas vu. C'est facile de se cacher derrière vous. Oui. On va juste remercier Hassan Adlani. Donc, monsieur Hassan Adlani.